Dans la vie, tout le monde peut vivre des moments difficiles. Cependant, le plus important est de survivre à chaque épreuve, comme elle, a fait Lily Rose Depp. Lorsque elle était enfant, Lily Rose Depp a dû faire face à de graves problèmes de santé. Adolescente et célèbre, elle a dû faire face aux attaques de ses détracteurs. Pour autant, Hélène a jamais abandonné. Au contraire, son passe difficile, elle, a transformé en une jeune femme élégante. Lily Rose Depp a souffert d'une insuffisance rénale à l'âge de 7 ans. Johnny ne l'a pas quitté jour durant la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis a bien grandi. Devenue mannequin pour la célèbre marque Chanel, la jeune fille au nom de Fleur est aussi une actrice talentueuse. Elle est notamment connue pour avoir joué dans des films comme The Grey Voyagers, plus ou moins, The Grey The King, plus ou moins ou encore, The Grey Yoga Hosers, plus ou moins. Cependant, Toutaine n'a pas toujours été rose pour la S droit d'auteur pure de Jack. En effet, malgré la notoriété de ses deux parents, elle, ex-petite amie de Timothy Chalamet, a vécu une enfance difficile. Et pour cause. En 2007, la jeune fille souffrait d'une grave insuffisance rénale, causée par une intoxication alimentaire à E. coli. Elle a même failli mourir, alors que Hélène avait que 7 ans cette année-là. De plus, elle avait passé 9 jours dans un hôpital, durant lesquels ses célèbres parents ne l'avaient pas quitté des yeux. C'était ailleurs elle, une des périodes les plus sombres de la vie de Johnny Depp, comme il elle, a confié au cours d'une interview accordée sur The Graham Norton Show. À tel point que elle, année suivante, quand sa fille a été sauvée, il a décidé de faire don de 2 millions de dollars au Great Ormond Street Hospital. Ils nous ont dit que ses reins s'étaient éteints et qu'elle aurait de la chance de survivre. En 9 jours, nous nous sommes assis près de son lit et avons refusé de bouger jusqu'à ce qu'elle commence à s'en sortir, a-t-il confié en 2015, se remémorant cette dure épreuve. Aussi, Lily Rose Depp a lutté pour sa vie, après avoir été confrontée à une grave maladie en 2007. Lily Rose Depp était anorexique. J'essaye de prendre du poids depuis longtemps. Outre son combat contre elle, insuffisance rénale, Lily Rose Depp a également enduré elle, anorexie dans son enfance. C'est en 2016 qu'elle a accepté de se confier sur son combat. Au cours de son interview, la star montante de la mode a notamment fait savoir que la maladie a été un vrai coup dur pour elle, car en plus des problèmes causés par ce trouble de l'alimentation, elle se faisait également attaquer par les internautes pour son apparence physique. Lily Rose Depp est vue dans le West Village le 2 septembre 2021 à New York City. Getty Images dans les colonnes du magazine Elle, la jeune femme a déclaré « Cela m'attriste parce que j'étais plus jeune et qu'était difficile de m'en sortir. Ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent à quel point il est difficile d'en revenir, avant d'ajouter « J'essaie de prendre du poids depuis longtemps et je suis très fière de mes progrès. » Lily Rose Depp est vue à Lex le 26 mai 2016 à Los Angeles, Californie. To, Getty Images. Heureusement, la fille de la star des Degrés Pirates de Caraïbes, plus ou moins S, en est bien sortie, malgré ce qu'elle a vécu. Et c'est, est en partie grâce à son physique si elle est au jour, lui devenue Légerie D, une marque de luxe. Une vraie fierté pour ses deux parents ailleurs. Rose Depp, une fille qui n'a jamais souri, les fans sont trop à son égard. Pour rappel, était à elle, âge de 16 ans, que Lily Rose Depp est lancée dans le monde du mannequinat. À cette époque,
Celle que Karl Lagerfeld avait décrite comme sa muse a déjà dû faire face à de nombreuses critiques sur son physique, degré anorexique, plus ou moins, mais surtout sur sa façon de se faire prendre en photo. Lily Rose Melody Depp est vue sur le tournage de Yoga Hosers le 10 septembre 2014 à Los Angeles. Photo Getty Images et pour cause. Depuis que la fille de Vanessa Paradis est devenue mannequin, LS affiche souvent, de graissant sourire, plus ou moins sur les clichés. Malheureusement, cela ne plaît pas toujours aux internautes et la plupart des entre n'hésitent pas à elle, attaquer sur les réseaux sociaux. En cadeau, j'espère qu'elle a eu un stage pour apprendre à sourire. Il ne faut pas qu'elle rêve, il y a des jeunes femmes bien plus belles et souriantes qu'elle dans la même catégorie fille de ou petite fille de. Elle lui a jamais appris à sourire surtout, peut-on lire dans les commentaires. Des autres se montrent même un peu plus envers la jeune femme, en déclarant « pas souriante, jolie vite dit ». Cordée, anorexique, si Hélène avait pas ses parents, elle ne se ferait même pas remarquer. Heureusement, ce haine, non, elle a 23 ans et affiche un changement radical. Il y avait aussi des fans qui ont pris sa défense sur les réseaux sociaux. Si avant la belle blonde optait pour un style de contract à chaque apparition sur le tapis rouge ou elle, écran, au jour, oui, elle adopte un look plus glamour et style. Parfois même, LS, habillée, une manière chic et rafraîchissante, mais toujours aussi élégante. Lily Rose Depp assiste au De Phil Chanel Women's Wear Spring Summer 2021 au Grand Palais le 6 octobre 2020 à Paris, France. Photo Getty Images et SEN, et pas tout, si durant les premières années de sa carrière, la fille de l'interprète de Degré Joe le Taxi, plus ou moins, Degré Dis-lui toi que je t'ai, aime, plus ou moins ou encore, Degré La Scène, plus ou moins ne souriait jamais à chaque sens photo, au jour, lui, un cliché sur lequel on la voit ravissante et épanouie. Comme elle, a notamment fait en septembre 2019, Lily Rose Depp, portant Chanel, assiste à la soirée Chanel pour célébrer les débuts de Chanel N5 Kinder Snow au Standard Igloo le 10 décembre 2019 à New York. Photo Getty Images lire aussi. Johnny Depp et Vanessa ont caché leur fils Jack. Sa vie sans réseaux sociaux et un problème de santé survenu à l'âge de 16 ans. Abonnez-vous à Mon Mame sur Google News pour lire davantage des articles sur vos stars préférées.